influenced by some, you know, old masters like Bergman. For this particular film, did you do some research, or were you inspired by other filmmakers, older filmmakers, obviously? Well, for this film, would you want to... Alors, la question, c'était bien sûr, est-ce que vous aviez parlé de l'influence de Bergman sur vos films précédents? Est-ce que sur ce, enfin, surtout sur Fessen, est-ce que là, il y a une influence ou des influences? Well, for this film, I'm trying to make a combination of... I wanted to get under the skin of the actors, the characters. I wanted to get very close to them. I wanted them to breathe on the screen, be lively. Believable. And yet still, I was trying to get the sweep of Hollywood in the 50s, like Gone with the Wind. Dr. Zhivago was my favorite movies. But I was trying to go for a combination of these. I watched these movies, and I watched the wonderful masterpiece of Bertolucci called 1900, because it's got this very incredibly lively surface, and it's one of the best films ever made. Alors ici, c'est vrai que j'ai eu d'autres sources d'inspiration. Je voulais surtout aller presque sous la peau des personnages. Je voulais qu'on les sente respirer à l'écran. Je voulais être très proche d'eux, les rendre crédibles. Et en même temps, je voulais à nouveau cette grandeur du cinéma d'Hollywood des années 50. Vous savez, évidemment, Docteur Zhivago, Autant n'emporte le vent. Ce sont des films, d'ailleurs, que j'ai regardés en préparant ce film. Ou aussi, évidemment, 1900, Bertolucci, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu, un des plus grands films jamais faits, avec à la surface, quelque chose de très vivant, et puis évidemment, une profondeur différente. Donc, voilà les sources d'inspiration que je citerai. Micro là-bas. Je voulais savoir, en fait, j'ai remarqué que les costumes étaient assez différents de ce qu'on peut voir dans les dramas anglais d'habitude et qu'ils étaient très modernes. Il y a beaucoup de jeans, de cuir, surtout pour la Verdienne. Je voulais savoir si c'était évolué. I had this question about really the costumes. I mean, they seem to be very different from what we call the period costumes. You know, here you have very modern feel, you have the leather, obviously the leather jacket that she's wearing. I mean, was it your intention to make the costumes much more modern in a way? Well, on this film, we constantly tried to pursue a loyalty to Thomas Hardy, and yet still a sense of contemporary cinema and being modern. And we brought in a genius, I think, Janet Patterson. She's done Jane Campion's movies before. And she was amazing. I found myself walking into the costume department and being like a little boy in the chocolate factory. I very rarely had anything to say other than amazed by what you're doing. She found, I think, a golden balance between complete modernity and loyalty to the tradition. And I find all the clothes incredibly smart, actually. So I have to send it on to bring a costume designer, Janet Patterson, from Australia. Alors là, c'est vrai que j'étais constamment à la recherche d'un juste équilibre entre ma loyauté à l'œuvre, à Thomas Hardy, mais aussi l'envie que j'avais de rendre, évidemment, cette histoire extrêmement moderne, contemporaine, puisqu'elle s'adressait à vous. Donc c'est vrai que je dois tout presque à Janet Patterson, qui est effectivement la chef costumière du film, qui a beaucoup travaillé avec Jane Campion. Et elle est tout simplement incroyable. Et je me souviens qu'à chaque fois que je pénétrais un peu dans son antre, là où elle avait tous les costumes, bien je me sentais comme un gamin dans un magasin de chocolat, quoi. Tout était magnifique. Et elle a réussi à trouver cet équilibre magique entre donc, la loyauté à l'œuvre, à l'époque, à l'Angleterre victorienne, et puis évidemment à la tradition, et puis l'envie de modernité, évidemment, qui m'habitait. Donc voilà, j'ai tout trouvé que c'était extrêmement beau, extrêmement élégant, mais je dois dire que c'est pas moi vraiment, mais c'est vraiment, je dois tout à Janet Patterson pour cela. Là. Ou attendez, alors là-bas, on vous donnera le micro, ou le micro, comme on a dit madame. First of all, I'd like to thank you for a beautiful and moving film. Thank you. Second time that I've seen it. I saw it last week in Canada, and
Yeah. I didn't know it was showing in Canada. Yeah, it is. Thanks for flying here to see it. It's a pleasure to do so. I actually had a specific question about maybe cultures or how a moment plays. In Canada, when Mr. Boltwood shoots Sergeant Troy, there was silence and horror in the audience. And I noticed tonight that there was some laughter when that happened. And I wonder if you could talk about how it plays to different audiences or why you might think that is, if you have any thoughts on it. Alors voilà, c'est différent. Voilà, monsieur est visiblement grand fan, merci. Monsieur, il a vu ce film pour la deuxième fois ici, en France. Il l'a déjà vu au Canada. Il a remarqué qu'il y a cette scène lorsque, effectivement, William Broadwood vient tire et tue Francis Troy. Eh bien, au Canada, silence horrifié. Ici, quelques rires que l'entend d'ailleurs. Est-ce que, à quoi vous attribuez ça? Comment vous pensez que les films voyage parlent à différents publics, finalement? Well, I guess the magic of movie making is that there's a different movie for every person watching it. And every nationality has their own humor and their own sense of humor. It must be very bizarre and embarrassing if people laugh. There's two possibilities. Either they laugh because it's a relief to get rid of this animal, which I think is fair enough. Or they laugh because they find it ridiculously melodramatic, which wouldn't be that good. But I have no idea. It's very interesting. It's very interesting how the same film can play so differently. I've tried that now for 30 years, and it's a miracle of time. It can be a disaster, it can be a rise for a film, but the same film does never play the same two nights in a row. It's the eyes that watches it. C'est un peu ça aussi, la magie justement du cinéma. Chaque nation, en plus, je crois, a un sens de l'humour particulier. Et si par exemple, il y a la scène des moutons, parfois on entend des rires, alors peut-être que c'est un soulagement de se débarrasser un peu de ces bêtes, ou alors au contraire, parce que. Il y a un côté comme ça, mélodramatique, on ne sait pas. Moi-même, je ne sais pas. Ce que j'aime, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est que le même film a des réactions différentes ou que vous le présentiez dans quelques pays que ce soit, par exemple. Moi, ça fait 30 ans que je vois ça, c'est à chaque fois un miracle. Parfois, d'ailleurs, c'est un désastre. Parfois, au contraire, c'est magique. Mais d'expérience, je sais que le même film, deux soirs de suite, n'aura pas les mêmes réactions. Pour moi, finalement, le cinéma, c'est avant tout les regards qui effectivement voient les films. Oui. Bonsoir et merci beaucoup pour ce film, parce que j'ai passé un très bon moment, j'ai fait un voyage. Et j'ai une question par rapport aux acteurs, parce que je les ai trouvés merveilleux, vulnérables, vous en avez parlé tout à l'heure, et je voudrais savoir comment vous les dirigez. Well, first of all, thank you. Thanks to you, we made a journey that was magnificent. And you said your actors were both great and, as you said earlier, vulnerable. How did you, in a way, direct them? How did you work with them, each of them, maybe differently? Well, each actor or actress is different. And it's always a different journey. But what I do every time, and what I did this time, is rehearsal period, 2 weeks of rehearsals, where we improvise, conversations, rewrite, we improvise again. We create security for the actors, so that they know the whole world around this character. Character consists of the past, they consist of secrets, they consist of what they show to the world, what they hide from the world, they consist of what they're good at, bad. They consist of dreams of the future. There's so many things to a character that you don't show on screen, but that they need to know. There's this pond of personality. And all the actors of every movie I make needs to know this, needs to feel this through conversations and hard work prior to the shoot. Then when
somebody starts shooting, they can let it go. When the camera flicks on, they can forget about the whole thing. Because they feel secure about it. It's like a speech. You go over it, you go over it, and you go over it again. So then you can let it go in front of the audience. And that's how I work with it. I punish them very hard for 2 weeks, and then I let them go. Alors, en fait, c'est vrai que chaque acteur, finalement, offre un voyage différent. Mais ce que je fais toujours, c'est que j'aime, avec les acteurs, les sécuriser en un sens, leur donner un sentiment de confort. Et dans ce cas précis, eh bien, il y a eu aussi 2 semaines de répétition pendant lesquelles ils improvisaient, ils parlaient, je réécrivais des choses avec le scénariste, on réimprovisait, on réécrivait, jusqu'à ce qu'enfin, au moment on allait tourner, et bien ils se sentent complètement en sécurité, en pleine possession en quelque sorte de leur personnage. Ils connaissent leur passé, leurs secrets, ce qu'ils veulent montrer ou dissimuler, ce qui est une faille, ce qui au contraire est une qualité, ce qui peut-être sera l'avenir pour eux. Bref, leur personnalité est déjà formée avant que la caméra, avant que je dise action. Voilà, ils savent tout, ils ont ressenti leur personnage, et à ce moment-là, ils se sentent libres de se lâcher. Et c'est ça qui est important, c'est le lâcher prise une fois devant la caméra. Alors c'est vrai que pendant les répétitions, eh bien, ils apprennent, je les punis en quelque sorte, on travaille, et puis une fois qu'ils sont devant ma caméra, eh bien, je les libère, et ils sont libres d'être eux-mêmes, leur personnage. An example is Bollywood, okay? Businessman, he's got a lot of money, he's got a great heart. Strength. But there's something sad about it. What is the sadness coming from? In his case, he was jilted. He was thrown away by a woman early on in his life, way before this movie starts. So we improvised it. We even improvised it a couple of times so he can feel that. He can feel that humiliation, the sense of loneliness, and capture that. And he brings it in his eyes in front of the camera, just as an example. Alors en fait, par exemple, je vous donne un exemple, c'est comme Raymond, voilà, ce que l'on voit, c'est qu'évidemment, il a de l'argent, c'est un homme apparemment important, fort, mais il y a en lui une tristesse. Alors, pourquoi cette tristesse? Eh bien, on l'a travaillé, on s'est dit, voilà, il est triste parce que dans un passé lointain, bien avant d'ailleurs que l'histoire ne commence, eh bien, il s'est fait jeter par une femme. En improvisation, pendant la répétition, on lui a créé ce passé, ce rejet, pour que dans son regard, à l'écran, à l'image, il y ait cette humiliation, il y ait cette solitude. Et ce n'est que comme ça que finalement on crée un personnage. Dernière question. Oui, bonsoir. J'aimerais juste avant tout revenir sur la question de la dame en orange, sur les inspirations. Moi, quand je vois ce film, je pense directement au Poisson du ciel de Terrence Malick, et juste s'il pouvait dire 2 mots dessus. Et j'aimerais savoir, il est très content d'avoir travaillé avec un grand studio, etc. Est-ce qu'il aurait été aussi content de pouvoir faire une demi-heure en plus ou 20 minutes en plus pour le film et développer notamment d'autres personnages comme Hollywood ou sinon surtout Franck et Fanny, que je trouve parfois un petit peu rapidement décrit dans le scénario et on a du mal à vraiment ressentir leur amour, etc. Je trouve que le problème de ce film, c'est exactement ce qu'on voit sur cette affiche, c'est que c'est trop centré sur ces deux personnages et que malheureusement les personnages à côté sont laissés un petit peu de côté. C'est un très grand film, je trouve qu'il est magnifique, c'est un bijou, mais je trouve que malheureusement le scénario n'est pas assez poussé. Voilà. Was there a question? There's a question about maybe Terrence Malick's Hollywood, I mean, influence maybe, and also the fact that if you have a regret that you could expand maybe 20 more minutes or 30 more minutes, I don't know, to maybe expand on Frank and Fanny's story, for instance. He felt frustrated that there was not that much about them. First of all, I'm always, forever, inspired by Terrence Malick. Whatever I do, also when I don't even know it. I love Terrence Malick. I love Days of Heaven, his
Oui, c'est ça. Right. It's an amazing masterpiece and the most beautifully photography film ever. So yes to that question. Troy and Fanny, yes as well. The big challenge of this movie was 250 scenes. I want the film to breathe, not to rush through plot points. But Thomas Hardy has a lot of points. He's got many characters on many journeys and many switches and turns. So it was a bitter fight against that. And that was difficult. Yes. So that sour note, why don't we go drink some wine and enjoy Paris? And say thank you very much, all of you. I enjoyed it. It was lovely seeing you all. And thank you very much for your time. My pleasure. Merci à vous, merci de votre présence.